qu'il y avait une discussion sur le fait que les gens s'engueulaient avec les autres à propos de la viande. Moi, je rentre pas là-dedans. Je me méfie, elle n'est quoi, quand même. Mais ce qui est absolument certain, les gens, c'est que va falloir qu'on travaille autrement. C'est pas possible de continuer à exiger les prix que nous exigeons pour des protéines carnées qui nous coûtent aussi cher, en saccage de la nature. Je ne vais pas entrer plus dans le détail, mais je veux qu'on comprenne bien que c'est parce qu'on va relever tous ces défis qu'on a besoin de milliers de gens au travail. Et que si on a besoin de milliers, de millions de gens au travail, il faut les traiter dignement. Et qu'il faut traiter dignement ceux dont la peine physique ou la peine morale est la plus grande au travail. Et que par conséquent, pour l'Union populaire, il y a une option préférentielle pour les plus démunis. Il y a une option préférentielle pour les plus pauvres. Il y a une option préférentielle pour tous ceux qui ont été mis sur le côté de la route et qui, par millions aujourd'hui, regardent passer le train invraisemblable d'une vie dont il leur semble qu'on a décidé de les priver des éléments les plus modestes, les plus humbles du bonheur de vivre. Priorité donc à cette masse immense de gens dont on a dit qu'ils étaient des gens de rien, si vous vous souvenez des propos de M. Macron. Comment a-t-il pu avoir une idée pareille? Comment ce mot a-t-il pu lui venir à la bouche? Eh bien, parce qu'il en est convaincu. Il est persuadé que chacun est à 100% responsable de son sort. Et à la fin, ça produit les équations que vous connaissez. Qui est responsable de la pauvreté? Le pauvre. Qui est responsable du chômage? Le chômeur. Qui est responsable de la maladie? Le malade. La preuve, il a qu'à se vacciner. Alors, on leur dit... réellement à des sottises pareilles, mais lui, il le croit. Et donc, si vous n'avez rien, si vous êtes rien. Oui, mais c'est une vision du monde. Et elle a travaillé en profondeur nos sociétés. Parce que pendant des années et des années, on a répété que le collectivisme, c'était une prison. Que s'occuper des autres, c'était du temps perdu. Que ce qui était important, comme disait Madame Thatcher, quelques-uns d'entre vous doivent se rappeler de qui c'est. Écoutez, il a fallu qu'elle en fasse, hein, pour que le jour de ses funérailles, les mineurs se soient donné rendez-vous pour se mettre le long du parcours et lui tourner le dos. En souvenir de la vie incroyable. Mais revenons à l'idée que Madame Thatcher, elle avait dit une phrase terrible. Elle avait dit, voilà, écoutez bien, il faut s'accrocher. La société n'existe pas. Seuls les individus existent. Et si les individus rendent leurs relations mutuelles plus performantes, eh bien toute la société ira bien. Alors si vous êtes au chômage, allez donc au boulot, traversez la rue. Si vous êtes malade, allez vous vacciner. Et d'ailleurs, comme c'est une société d'individus où le collectif n'existe pas, où les règles collectives sont superflues, eh bien, moi, il y en a, mais on se porte des règles, puisque ça permet à chacun de faire épanouir son talent. Ça, c'est la vision du libéralisme. C'est pas seulement un modèle économique, c'est pas seulement un modèle social, c'est une vision du monde. Et à la fin, vous vous trouvez à dire « Je souhaite que les jeunes rêvent d'être milliardaires ». Et nous, on pense qu'être milliardaire et y rêver, c'est obscène. D'ailleurs, rêver d'argent, personne n'en a jamais entendu parler, sinon chez des gens gravement perturbés. C'est donc une vision du monde que nous affrontons. Et donc, un programme doit répondre à cette globalité. Les différentes parties qui le composent sont réunies entre elles par une vision du monde. Donc j'assume, au nom de tous mes camarades, oui, l'avenir en commun est un programme de transition entre une forme de la société capitaliste fondée sur l'égoïsme et la cupidité en route vers une société de l'entraide et de la solidarité.
avez vu des gens qui viennent dans l'Union populaire. Vous tous ici, et nous dans l'équipe, on est unis par le travail qu'on mène ensemble. Je sais très bien que quand on va sortir de cette salle, j'espère que vous aurez donné la pêche, et chacun d'entre vous va prendre dans sa vie, avec le temps dont il dispose, les moyens d'appeler un tel, une telle, pour lui dire « Allez, allez, il faut y aller, il faut venir voter, est-ce que tu vas me dire, patati et patala, on explique, veux-tu que je t'apporte le programme, comme on a toujours fait, toutes les générations. On n'a jamais connu un moment où on claquait dans les doigts et où les bulletins de vote tombaient, où on dit « C'était plus facile avant, quand, quoi, quand c'était facile ?» Attendez, j'ai raté quelque chose ou quoi? À l'âge que j'en ai raté aucune depuis la Saint-Magna. J'ai jamais vu une élection facile. J'ai jamais vu une élection où on dit « Ah, mais vous autres là, avec les idées très avancées que vous avez, mais comme vous êtes géniaux, je vous en prie, installez-vous, tenez, voilà les clés du camion. » Jamais. Ça a toujours été difficile. Eh bien, c'est difficile cette fois-ci, il n'y a pas de changement. Et on mène la bataille. Alors, je leur dis « Mais le problème va être réglé. Vous avez tous un peu d'expérience. » En 2017, la scène politique a explosé. Pourquoi? Parce que qu'ils soient de gauche ou de droite, ils racontaient ce qu'ils voulaient pendant les élections. Juste après, ils passaient au bureau et la Commission européenne leur disait « Voilà votre feuille de route, c'est la consigne. » Donc ils faisaient pareil, les deux, dans les mêmes conditions. La retraite, c'est la Commission européenne qui n'arrête pas de demander qu'on en retarde l'âge. Alors évidemment, vous vous imaginez qu'ils ne vont pas venir devant moi pour me dire à quelle bonne idée, vous qui voulez la remettre à 60 ans, avec 40 annuités de cotisation. Certainement pas. Donc c'est ça pour l'entrée. Non, mais je ne viens pas vous dire comment vous allez faire. Ils n'osent plus maintenant non plus venir me dire comment vous allez payer, parce que la répartie qu'on a trouvée, mon vieux, oui, qu'ils sont tous à faire. On leur a dit que vous allez payer les femmes comme les hommes, et il y aura le niveau de cotisation nécessaire pour les femmes. Si vous voulez. Et puis je sais comment faire. Donc j'ai dit, bah, on va régler le problème. Puisque vous pensez qu'on est divisé, que les gens règlent le problème. Pour l'instant, c'est dans les sondages qu'on est en tête. Mais les sondages, c'est un problème. C'est plus des sondages, c'est des rêves. Ils rêvent d'une société où les milieux populaires ne vont pas voter. Alors ils ne comptent que les gens qui sont sûrs à 100% d'aller voter pour quelqu'un. Donc sur un échantillon de 1000, quand ils vous disent qu'il y a 60% de votants, bah, ça veut dire que 60% d'abstention, ça veut dire qu'ils ne gardent que les 400. Et ils évaluent là-dessus sur un échantillon comme ça. Et, bah, c'est un rêve. Enfin un monde où les milieux populaires ne mêlent plus de leurs affaires. Ils ne viennent plus voter. Alors ça s'arrange entre gens de votre compagnie. Hein. Alors là, c'est clair qu'il y a moins de place pour un sauvage comme moi, dans le genre de et comme vous d'ailleurs, hein, parce que vous ne faites pas les malins en regardant. Vous êtes concernés. Enfin, bon. Il va falloir que les Français tranchent. Si vous croyez qu'on peut faire de l'écologie d'accompagnement, eh bien, vous en avez à disposition. Mais si vous avez compris que pour en faire, il faut rompre avec le productivisme capitaliste, nous sommes là. Si vous croyez qu'en obligeant les gens à avancer parce qu'on leur fait peur tous les jours sur leur lendemain, il y a ce qu'il vous faut. Allez voir M. Macron, avec qui vous avez déjà fait, il en a encore plein la musette. Et que je te réforme les retraites, et le temps de travail, et l'accès à l'université, tout. Tout est prévu dans sa tête, et tout est dans les cartons de la Commission européenne déjà. Mais si vous voulez à l'inverse, que le très grand nombre devienne maître du destin commun du pays et de sa propre vie, si vous pensez qu'il faut partager beaucoup de ce que les autres ont en trop, parce que c'est en trop d'accumuler des fortunes pareilles. Les enfants du petit travail. Vous avez vu en fait ce qu'ils ont fait quand on est venu avec l'histoire de l'héritage. Hein? Ils s'attendaient à un bon petit slogan, bien imbuvable. Et on leur a servi tout frais. Au-delà de 12 millions, pour faire peur, on prend tout. Ah mon Dieu. Une autre minute. Alors on a rectifié. Au-delà de 12 millions, c'est-à-dire, une fois que vous aurez été plongé dans le néant de la pauvreté, avec 12 millions,
sais pas combien de siècles de SMIC ça représente, hein. Eh bien, le reste, le 13 millions, le 14 millions et le reste, on donne tout. À la jeune génération. À la jeune génération. Et le faire étudier, et pas travailler en plus, à la jeune génération, qui est dans l'enseignement professionnel dont nous avons absolument besoin, et qui souvent comporte des jeunes gens qui sont déjà faits à l'émergence de famille. On a de quoi financer une rente mensuelle de 1063 euros pour tous ces jeunes gens. Alors eux, ils hériteront de la société, et les autres, eh ben, ils se sont déjà donné le mal de naître. Et je suis en train de vous faire du beau marché, là, c'est dans Figaro. Ceux qui ne se sont que donné le mal de naître, c'était déjà le cas au XVIIIe siècle. Mes amis, j'ai l'impression qu'on a un peu reculé, hein. Donc il est question de reprendre la marche avant. C'est pour ça que j'ai terminé mon propos par cette remarque sociale. C'est dans les différences d'héritage que se construisent pour l'essentiel les inégalités sociales de notre société. Et voyez-vous, pour revenir à la formule la plus générale que j'ai utilisée pour décrire notre projet, l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Une société dévorée par l'inégalité. Une société où l'on place au poste de commande la cupidité de ceux qui commandent. Une telle société résiste moins bien, s'entraide moins bien qu'une société plus partageuse, plus égalitaire, où chacun est respecté et où dès lors, on voit dans celui ou celle qui est à côté de soi plutôt son semblable que son concurrent, plutôt son frère ou sa sœur que son adversaire. Eh bien, c'est cette société-là dont il est question dans notre programme. Et pas un instant, je n'essaye d'en réduire la signification philosophique ou politique. C'est parce que nous sommes entièrement déterminés par cette vision du monde et de la relation aux autres et à la nature que nous sommes ce que nous sommes. L'Union populaire, les Insoumis, nous tous qui nous avançons pour les 70 jours qui restent, d'un pas ferme et tranquille de ce qui nous semble être la possibilité d'une victoire à portée de la main.
Ah ouais, super, top. Mais,